What's up guys, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur FIFA 17 pour la suite de la carrière pro toujours au Real de Madrid. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va commencer avec un match contre Espagnol et ensuite attention, on aura un match extrêmement important contre nos rivaux depuis 2006 et même avant, l'Italie bien sûr, en phase de poule de cette Coupe d'Europe. Et donc on va commencer avec un petit match de championnat, histoire de se chauffer un petit peu, c'est parti. Bonjour, c'est Hervé Matou avec son vieux complice Pierre Ménès. On va vous commenter cette rencontre. Oui, bonjour Hervé, le complice te remercie, tu es bien aimable mon petit. Bonjour à vous qui nous regardez. Eh bien bonjour à tous, et regardez, nous sommes toujours premiers bien sûr avec le Real de Madrid de cette Liga espagnole. Et c'est un vrai plaisir, voilà, d'être devant. En même temps, c'est que le début bien sûr, ça va évoluer au fur et à mesure. On compte sur le Barça pour nous rattraper très très rapidement. Mais bon, si on continue à gagner tout le match comme ceci et à ce rythme, bah écoutez, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que l'on remporte cette Ligue tout simplement. Regardez, meilleures attaques c'est nous, égalité avec le FC Barcelone à 16 buts. Donc attention, il y a de la concurrence. Ok oui. Oui. Allez, nous sommes en tenue extérieure actuellement pour ce match, effectivement. Match à l'extérieur, mais bon, vu l'équipe, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Raphaël Varane, excellent joueur également, que j'ai failli mettre sur la miniature à la vidéo d'avant. Ça n'a pas été fait, mais c'était pas loin. Voilà, peut-être que tu auras le droit, mon cher Raphaël, à ta miniature si jamais tu marques un but. Bon, ce qui sera un petit peu compliqué pour toi, mais voilà, peut-être une tête, pourquoi pas. Allez, on est parti, les amis, pour ce match de championnat de Liga. Et après, on aura le fameux match en Coupe d'Europe avec contre l'Italie. Voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver sur ce match. Par contre, je pense que tu vas un peu vite, mon gars. Non, c'est bon, ça va ? Ok. Attends, je reviens un petit peu en arrière. Tranquillou. Tranquille, tranquille, tu m'as vu en arrière. Vas-y, petite talonnade. C'était prévu. Attendez, on se croit un petit peu sur FIFA Street là, un petit peu trop d'ailleurs. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Eh ben non. pas du tout, c'est moi qui fais n'importe quoi. Ok, super. Mais c'est comme dans FIFA Street, en fait, on commence toujours en faisant plein de conneries et puis au fur et à mesure. Voilà, au bout de quelques minutes, voilà. Histoire de se chauffer un petit coup. Allez, ça continue. Prise de balle, Diop vers la tour. La tour peut-être qui ne passe pas, repris par la défense. Impeccable. Allez, nous on avance. Je te passe dans la longueur. C'est bien joué, c'est très bien. On envoie l'avant. Attention, Martin Cindy en défense, la frappée. Ouh, c'est juste à côté. La frappe qui était pas loin de Origi. Comment on dit? Origi? Origi? Parce qu'en fait, alors, pour info, petite histoire, je viens de démarrer Origin, donc qui est, vous savez, le logiciel pour jouer au jeu EA, donc dont FIFA. Et il y a eu une mise à jour qui a duré, allez, au moins bien une demi-heure. Ça m'a fait chier parce que je voulais absolument tourner rapidement sur FIFA, parce qu'après j'ai d'autres vidéos à tourner et tout, vu que je tourne environ 2-3 vidéos par jour. Et ben le truc c'est que chaque jeu que j'ai démarré aujourd'hui, juste avant, il y avait une putain de mise à jour. Et je vous jure, j'étais en train de rager. Oh, intéressant, mais quelle passe! La frappe dans la foulée, c'est le but, il est magnifique! Oui, ouais, mortel, alors celui-là les gars, il est incroyable. Allez, pour le coup, je tape un petit dab. Waouh, on la passe quoi. Ah, on aurait dit une passe de Galax quoi. Le mec super modeste. Et la frappe que j'ai demandé, hein, je précise, c'est moi qui ai demandé au mec de frapper. Voilà, et il l'a fait parfaitement le long du poteau. Eh ben écoute, GG, bravo. Et encore une fois, toujours Origi ou Origi, voilà. Et magnifique. Voilà, le score qui est donc bah écoute, tu mériterais d'être presque sur la miniature, mais bon, j'ai pas une image Bruno Martins, qui correspondrait bien à une miniature, parce que oui, il y a certaines images qui correspondent, par exemple à la mi-temps, en fin de match. Ouais, attention, c'est le secret des miniatures de Galax. Voilà, je prends les images en cours de jeu, donc par exemple, on va dire... Ah merde, excuse. Par exemple, à la mi-temps, t'as des petits zooms sur les joueurs et tout ça, et pour la miniature, c'est bien pratique. Allez, attention, Jurado, Batistao. Ok, on repart, tu m'as vu, je suis pas en jeu, hein. Je t'ai vu. Ah non, excuse. Vas-y, je me suis récupéré, c'est magnifique. Allez, la petite passe, bien joué, celle-là elle est bonne. Allez, la frappe puissante. Allez, peut-être une au centre, vas-y. Le gardien va sûrement la reprendre. Ouais, effectivement. Le gardien récupère ce ballon et l'envoie directement vers la tour. Allez, la tour. Et attention à ne pas confondre avec le cycliste. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu mes séries tous les étés sur le Tour de France, ou alors sur Pro Cycling Manager, vous savez que effectivement il y a ce coureur qui est très très bon, surtout en montagne, et qui à chaque fois nous fait un petit peu mal, parce que en fait j'ai jamais dirigé, il me semble, en plus Pierrot. Donc voilà. D'ailleurs, cette année, encore une fois les amis, je récupère, je pourrais pas le récupérer. Oh oui! Oh oui, oui, on a eu le bon contact. On a eu le bon contact. Je t'ai vu. Magnifique. Attention. Légèrement longue. Ça a rasé le poteau encore une fois. Mais la passe était pas mal. Eh mais ce joueur, il est terrible. Ah ouais, là, il est à fond. Regardez la passe. Ouais, ouais, qui était légèrement longue. Et dommage parce qu'il aurait pu te faire et le long du poteau droit et là, ici, sur cette occasion, le long du poteau gauche. Ça aurait été magnifique. Et ça aurait été le doublé pour lui aujourd'hui.
Allez, pas de but pour l'instant de Galaxou. J'y compte dessus, bien sûr. C'est un match dans lequel on peut se lâcher un petit peu, dans lequel effectivement on peut marquer quelques trucs sympathiques. Donc vraiment, pourquoi pas. Allez, petite passe gentille, on enchaîne. Tranquille. Petite passe à l'arrière, merci monsieur. Hop. Pour l'instant, ça navigue tranquillement. On construit sans se précipiter. Là, je vais là-bas. Oh non, excuse, je voulais pas faire ça. Oh non, penalty, monsieur, il m'a fait tomber. C'est un château de cartes, tout le monde se casse la gueule. C'est énorme. Allez, j'ai l'impression que j'étais bloqué. Ok, la frappe, bien jouée. Eh, mes joueurs tentent, c'est pas mal. Et le gardien qui réussit à écarter le danger, mais sympa. Casemiro, qui tente sa chance. Et c'était plutôt sympathique. Moi j'aime bien, tu vois, les joueurs qui ont du cran comme ça, qui tentent des choses. La tête de Galaxou directement dans les bras du gardien. Alors faut que je fasse gaffe un petit peu à ma jauge d'endurance. Parce qu'effectivement, ma jauge d'énergie, elle n'est pas forcément toujours folichonne. Merci. Oh bah non, c'était quoi ce... C'était pourri. Franchement, et le contrôle était dégueulasse. Oui, bien joué, tu m'as vu. Aïe, aïe, aïe. En arrière, oui. Le centre peut-être pas mal. Il y avait le danger. Il y avait l'idée. D'ailleurs, le jeu m'a dit belle idée. Tu vois comme quoi je suis assez content. Attention, ça repart là-bas. Bien récupéré. Impeccable. En tout cas, on a 7,8. C'est pas non plus la note de ouf que j'espère. Attendez, hop là, tranquille. Oh, mais tu m'énerves. Je garde le ballon. Ok. Ok, tranquille. Ah non, pourquoi j'ai demandé une passe? Je l'avais vu pourtant. Je l'avais vu, mais je me suis dit non, non, il va réussir à lui passer entre les jambes. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, du tout. En fait, je fais trop confiance. Allez, toujours un but à zéro. T'as heureusement qu'il a fait une frappe le long du poteau, là, parce que c'était compliqué. Oui, pourquoi pas, je suis pas en jeu. 2 minutes de plus. Ça part bien, action dangereuse. Oh, magnifique! Oh, c'était beau, bordel! C'était magnifique, l'action, là, franchement. Allez, fin de cette première période, les amis. Et ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on peut être encore plus explosif sur la seconde période. Oh, Varane tiendrait-il sa miniature? Il est un peu trop zoomé. T'es un peu trop zoomé, et c'est bien qu'on a les tribunes. Voilà pour la miniature, faire une jolie image. En plus, il fait beau, il aurait fallu en profiter. Mais Varane, tu es pas mis à ton avantage. Je ne sais pas si tu sauras un jour sur les miniatures de sur ma chaîne YouTube. On verra. Alors, pourquoi il pas fait ce qu'il faut pour... Allez, c'est la mi-temps. Ravi Fuego, comme la Renault. Et c'est parti pour la seconde période. Alors, une vieille Renault, hein. C'est vrai que c'est pas non plus une voiture très très récente. Mais bon, voilà. C'est sympa. La zone de vérité. Attention. Oh là. Oh, le tacle est... oh là, tu m'as vu. Oh là, tu m'as vu. Oui. C'est parti, Galaxou, accélération de Galaxou. Il est rapide, il est beau, il est jeune, il est chaud patate. Le centre incroyable. Et oui, magnifique. Passe décisive. Oh là 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 là. Magnifique ces joueurs aujourd'hui. On est là, on joue collectif. C'est parfait. Magnifique reprise. Et en plus, je lui avais fait un petit peu longue. Tu vois. En plus, je l'avais fait un petit peu longue, mais il a réussi à la reprendre. Impeccable. Merci l'ami, bien joué à toi. C'est donc le but de Vasquez à la 50e minute. Ah, ça fait plaisir. Là, vraiment, c'est super cool. Ah, interception encore une fois. Oh, dommage. Ça aurait pu être bien. Ah, petit passage en force apparemment. Je vous rappelle que la note qu'on m'a demandé par rapport, pas que le coach veut que j'aie, donc c'est du 9 sur 10. Voilà, donc je pense qu'on est bon niveau passe décisive. Il me semble qu'on en a fait une ou deux depuis le début. Hein, si je dis pas de conneries. Par contre, niveau but, effectivement, c'est pas encore bon. Mais niveau note, on est pas mal. Allez. Oh oui, 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 bien vu, la frappe. Et c'est repoussé par le gardien. C'était bien vu, en tout cas, c'est passé un petit peu en force, mais voilà, c'était bien vu. Allez, je suis au centre si tu veux. Si tu veux de moi, ma tête est là. Ronaldo qui va rentrer pour remplacer Vasquez. Ça, quand même, c'est du gros changement. Ah, ça, c'est du gros changement. Oui. Peut-être une occasion pour le Real Madrid. Non. Ah, il m'a eu, bien joué. Il m'a eu, j'ai pas eu réussi à me retourner correctement. Bien joué l'ami, je commence peut-être à être un petit peu fatigué, hein, voilà, forcément, avec Ronaldo peut-être sur le côté, peut-être que ça aidera, du coup, ça redonnera un petit coup de boost, niveau vitesse. Allez, nous on va attendre tranquillement, tu m'as vu, ok, bah, je vais où maintenant? Je l'ai vu, ouais, bien joué, la passe qui était un petit peu risquée, et donc apparemment, on prononce Origi. Bien joué, la passe dans la longueur, je récupère, oh ça aurait été beau, ça aurait été magnifique. La récupération de ce centre. Ok. Frappe. Dommage, c'était puissant. Ah non. Ah dommage. Aïe aïe aïe, ça part en corner je crois.
Il me semble que ça part en corner. Les joueurs du Real Madrid. Yes. Qui obtiennent donc un allez, allez, on peut peut-être aggraver le score. De toute façon, c'est pas fini. On est qu'à la 70e minute de jeu. Et c'est Rames Rodriguez qui va rentrer. Là, franchement, on se met à fond en attaque alors qu'on en aurait pas forcément besoin, disons-le franchement. Ok. Non, j'ai poussé trop. J'ai poussé trop. J'aurais dû aller à gauche ou d'aller à droite, tu vois. Mauvais choix d'orientation. Mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ronaldo à la baguette. Pour faire cette passe, je demande le centre. Peut-être on est dessus. Dommage, c'est le défenseur qui l'a récupéré. Je trouvais pas l'appel de balle mauvais, mais c'est vrai que du coup on avait le défenseur qui était vraiment collé dessus. Donc on pouvait pas faire grand chose. Allez, je pense qu'on va se quitter en tout cas sur une note supérieure à 9 sur 10. Si on fait pas de conneries avant la fin, effectivement, de ce match, hein. Normalement ça devrait bien se passer. J'y crois dur comme fer. Voilà. Ouais, peut-être. Ok. Une ah, mais non, mais quel dommage! Ouais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'énorme là? Bon, j'ai pas eu de ouais, endurance qui me permet tout ça. Oh, bien joué! Wouh! Oh, comme il a gâché l'occasion et le contrôle était bon pourtant. Et quelle passe! Oh, le contre qui aurait pu faire très très mal. Oh là là, bon, en tout cas, bon échauffement hein, pour ce match aujourd'hui. Pour attaquer ensuite les choses sérieuses contre l'Italie. Ça va être, je le sens, un gros match. Lucas Silva. Bien joué, je t'ai vu. Vas-y, mon gros. Attends. Ah non, j'étais pas prêt, mais normalement je suis pas en jeu. Hein. J'ai réussi à le pousser. Oui! Oh, c'est magnifique! Oh, c'est parfait! C'était parfait cette passe décisive! Pouh! Allez, jeu d'ab! C'est énorme! Ah, bueno, l'ami! Regardez, on dirait le même but que tout à l'heure, sauf que là j'étais à la limite du coup de la ligne de sortie. Oh putain, il tire sur le gardien en plus, il a foiré la frappe! C'est ça le pire, c'est qu'il foire sa frappe! Et il marque quand même. Oh lolo. Excellent. Bon, eh bien écoutez, Casemiro, bien joué à toi. Ton premier but du coup dans ce championnat. Ce GG. Bienvenue au club. Parce que bon, moi j'en ai marqué plusieurs. Hein. Voilà. Allez, je suis très content. Franchement, tout se passe bien. Oh oui. Oh oui. Changement de position. Oh oui. Il s'avance vers la surface. Oh non. Oh oui. Le sang, j'ai pas pu, putain. Ils m'ont mis trop de pression. J'ai plus d'endurance. Faut que je fasse gaffe parce que je peux me faire un claquage si je me dépense trop. Dans ce FIFA, et donc, ouais, faisons gaffe. Allez, la tour qui également a l'air très fatiguée. Voilà, on le remarque. Allez, on retourne en arrière. Allez, tranquille, on va se faire un petit plaisir. Oh là 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 là, un petit pont! Oh là là! C'est un petit pont en plus! Le petit plaisir! Attention, il a du champ devant lui. La frappe en puissance! Putain, j'ai cru que ça allait rentrer quoi! Cette frappe instantanée, Roberto! Yeah! Regardez-moi ça! Ah, dommage qu'on voit pas la roulette. Mais cette frappe, alors bizarrement, je l'avais pas trop préparée. Mais je sais pas vous, je trouvais qu'elle partait plutôt pas mal. Franchement. Pour selon que je l'avais pas préparée, que j'avais pas un champ ouvert de ouf. Elle est plutôt bien partie et rapidement, quoi. Allez. Hola, hola, hola. Reste tranquille. Pourquoi il l'a fait sortir? Tu aurais pu la prendre. Ah, mais non, il l'a protégé. C'est ce que la touche, c'était pour eux. Oh putain, j'étais dessus. Bref, il reste 3 minutes dans les arrêts de jeu. De temps réglementaire, du coup on va pouvoir se reposer un petit peu et on est largement bon avec 3 buts à 0 contre cette équipe de l'Espagnol du coup. Et là franchement ça fait hyper plaisir cette victoire. Allez, c'est terminé à l'instant, victoire du Real Madrid. Allez, victoire du Real de Madrid. Ça fait hyper plaisir. Rames Rodriguez qu'on n'a pas trop vu hein. C'est vrai que de toute façon on les avait déjà rétamés donc pas besoin de les voir réellement davantage. Maintenant que c'est terminé, on était largement au-dessus de l'équipe domicile aujourd'hui. Attaque du championnat, le Real qui s'impose en toute logique. Formation qui a montré une fois encore qu'elle disposait d'une force de frappe offensive capable de faire plier n'importe quelle équipe. Et oui, nous sommes les meilleurs maintenant en attaque. On a pris le dessus du coup sur le Barça, ce qui fait plutôt très 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 plaisir. Hein, tous ceux qui me disaient que le Barça était meilleur, hein, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bon, je vous avoue que si j'avais joué le Barça, j'aurais dit la même chose du Barça. Voilà, tout simplement. Allez, mais j'aime les deux, de toute façon, il n'y a aucun souci. Allez, prochain match du coup, les amis, on a été élu homme du match, c'est cool. Prochain match sera contre les Italiens. Du coup, regardez, nous sommes premiers de ce classement. Italie deuxième, donc c'est vraiment les plus gros adversaires. Il y a également la République Tchèque, l'Irlande, la Finlande et la Suède dans ce groupe de Coupe d'Europe. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. On va par contre programmer, si possible, les entraînements. Voilà, je charge la session, on simule tout. Est-ce qu'on va passer bientôt à 86 de moyenne générale? Ça, c'est intéressant. Voyons voir. Alors, on augmente en puissance de tir, on augmente en tacle glissé. Pourquoi pas? Nous sommes toujours à 85 de moyenne, ça va être compliqué de passer à 86. Allez, allons-y, match contre l'Italie, toujours dans les éliminatoires de championnat européen. Attention, on a été retenu dans l'équipe, ça c'est bueno. C'est parti.
Le moment où les joueurs pénètrent sur le terrain, on va jeter un œil sur le classement de cette poule. On se dit que ce troisième match, il est très important. Le troisième match est toujours important. La compétition est maintenant bien lancée, Hervé. Alors, on va commenter un France-Italie. Pierre, ça évoque bien sûr de grands matchs. Le quart de finale en 98, la finale de l'Euro 2000, la finale perdue à Berlin en 2006 en Coupe du Monde. Bah, t'as tout dit, hein, je vais aller m'allonger. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et oui, match important aujourd'hui contre l'un de nos plus grands rivaux qui nous a fait mal. Moi particulièrement, je me souviens de 2006 parce que c'est plus mon époque. C'est là où je regardais le plus la télé, hein, je ne vais pas vous mentir. Et donc du coup, ça m'avait fait très 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 mal. Un Materazzi. Allez, j'étais pris un bon coup de tête aussi. Bravo, bravo, bravo! La Marseillaise et l'hymne italien, que j'avais d'ailleurs appris en cours d'italien. Qui s'en fout? Allez, c'est parti du coup les amis, et j'espère qu'il y aura un beau match international aujourd'hui et que l'on va pouvoir aller plus loin et engranger encore plus de points pour prendre de l'avance sur cette équipe italienne et sur la République tchèque qui sont collés à nous niveau classement, et donc on va devoir faire attention même si on a deux points de plus. Bon, voilà, on va essayer de prendre encore plus large. Jolie coupe, hein, mon cher Paul. Voilà, c'est vrai que là, t'es au top, hein. Ou pas. Allez, c'est parti pour le match. Nous sommes en bleu, Italie est en blanc. C'est vrai qu'habituellement, c'est peut-être pas forcément toujours comme ça. Mais là, je me suis dit, voilà, on va la faire en bleu. J'attends beaucoup pour le coup, même si je préfère le maillot bleu en fait pour les Italiens, mais j'aime bien voir la France en bleu aussi. Donc voilà, j'avais un dilemme, disons. Allez, c'est parti. Petite passe, on y va gentiment. Et Pogba peut-être. Oui, bien joué. La frappe. Ouh, c'est au-dessus, dommage. C'était pas loin. Aïe, 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 trop puissant, Galaxou, trop puissant. C'était pas loin quand même, hein, la belle passe de Pogba. J'ai demandé l'appel de balle. Oh là 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 là. Il aurait été poteau rentrant celui-là en plus, hein, les gars. Il aurait été Lulu. Et rentrant. Ah, c'est les boules. Là, franchement, peut mieux faire. Peut mieux faire, mais en tout cas, c'était bien joué, c'était bien tenté. Allez. Attention, oui, la passe qui arrive vers Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, peut-être. Antoine Griezmann, dans la profondeur, assez repoussé par le défenseur. Bien joué. L'Italie, bonne défense, bien sûr. Attention, attention. Ok, attention. Je vais partir là-bas sur le côté parce que là, j'étais en train de me faire prendre et c'était pas cool. Attendez. Oh là, je suis encore pris là. Je sais pas où aller, sans vous mentir. Je ne sais pas quoi faire, la défense elle a vraiment hyper stable. Non, mauvais appel de balle, encore une fois. Ouh, attention. Là, c'est un match qui s'annonce juste très 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 intéressant à suivre. Et là, va y avoir de la rivalité. Allez, tu m'as vu. Oh non, mauvaise passe. Enfin, mauvais appel de balle, du moins. Oh la part. C'est rentré dedans. Oh la frappe, dommage. J'ai frappé sur je ne sais pas qui. Oui. Oh, c'était tellement bien joué la transmission comme ça. Oh, Kurzawa, Kurzawa, Kurzawa. C'est pas vrai. Tu pouvais mieux faire quand même. C'était une surprise, voilà, une petite passe surprise. Même lui, il ne savait pas, tu sais. Allez, hop. Ah merde. Putain. Bon, faut que j'arrête de courir par contre dans tous les sens parce qu'il faut tenir le match entier. Hein. Donc, faisons gaffe. On va essayer de maintenir notre position. Et surtout de servir en offensif pour l'attaque de cette équipe de France. Allez, Berardi. Domenico Berardi. Berardi sur l'aile droite qui accélère. Berardi. Oh, le tacle assez corsé tout de même. Ouï, ouï, ouï. Ouï, ouï, ouï. Tacle un petit peu corsé, ce qui donne un petit coup franc pour l'Italie. Bon, ça reste dangereux parce que forcément tous les coups de pied arrêtés avec les Italiens sont dangereux. Ce centre, mais pas mal, c'est pas mal. Le défenseur qui est le plus pro. Allez, go. Vas-y, on l'envoie là-bas. J'accélère, mon gars. J'accélère. Ok. Allez, ok, on continue. Tire, frappe. Ah dommage, Kingsley Coman. J'ai tenté de te faire frapper, j'aurais peut-être pas dû la refaire. J'ai peut-être fait trop de passes. J'aurais dû tenter d'éliminer le joueur en face. Mais j'aurais peut-être eu un petit souci, j'ai tenté l'occasion avec Kingsley. Allez. Galaxy sous la tête. Ouh, juste à côté. Oh là là. Oh, la tête du numéro 9, regardez-moi ça. La tête de Galaxy. Au ralenti, mais là c'est pas un ralenti. Hein. Je m'excuse, je croyais que c'était un ralenti, mais pas du tout. Wesh. Ok. Allez, le centre. Voilà. D'accord, frappe. C'était chelou. Oh là là. Heureusement qu'il y avait le gardien. Allez, 6 tirs de la France, 0.
de la part de l'Italie pour le moment. Mais bon, les tirs c'est bien, mais les buts c'est mieux. Donc du coup, ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, nous, c'est effectivement concrétiser des actions. Et ça, en plus, n'est jamais bon, parce que quand tu arrêtes pas de tirer, avoir des occasions et que tu mets jamais rien dedans, les autres, ils ont une occasion et ils mettent dedans, quoi. Donc, c'est pas bon. Il a jailli. Bien joué. Profondeur. Ah, dommage qu'il l'ait reprise après. Mais bon, la touche nous revient. Allez, mon Blaise. Mon Blaise Matuidi. Oula, il a failli me faire petite blessure, celui-là. Frappe puissante. Allez, ça fait un beau corner. Marquisio qui l'a ressorti. Il y avait danger. Allez, oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette occasion? C'est énorme. L'équipe de France qui va cette occasion, en jeu. On c'est du bia. Kingsley Coman. Allez. Allez, on va essayer d'aller au centre, pourquoi pas. Si jamais il veut faire un centre, je suis là. Avec du soutien. Allez, Gris-Gris. Oui, c'est donné en espace. Allez, les mecs. Allez, essayez de garder le ballon. Hein. Je compte sur vous. Mais non, mais c'est quoi cet amorti? C'est quoi ce contrôle, du moins de poser le jeu, allez, Gris-Gris, fais quelque chose de... Pour tenter une percée. Il donne son ballon. Oh putain, oh non. S'ils m'ont blessé, je suis dégoûté. Non, c'est bon, Marco, apparemment, ça a l'air d'aller. Je croyais que j'étais blessé, je me tenais la jambe, et puis après, ça allait mieux, apparemment. Ok, ça va. On n'est pas blessé. Putain, je commençais à flipper un petit peu, je vous l'accorde. Paul Pogba. Allez, les gars. Oh, le coup franc, là. Le coup franc, les gars. Le coup franc, bah oui. Cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Italia, oh. Carton jaune, moi, je dis. Carton jaune, allez. Allez, carton. Vas-y, approche. Viens prendre ton carton. Voilà. Carton jaune, du coup, pour Verratti. Pour Jorginho. Ok. Autant pour moi. Jorginho. Allez, le coup franc pour les Bleus. Tu le tires, mon Pogba, vas-y. Il le tire, dommage, c'est dans le mur. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, ça. Eh bien, écoutez, toujours 0-0. On va bientôt arriver à la fin de cette première période. Le suspense reste entier en ce match et on sent bien que le niveau est resserré. Allez, on envoie vers notre ami sur le côté. Vas-y, mon grand, par ici, je suis là. Oui. Oh non. Mais Gris-Gris, qu'est-ce que t'as fait, Gris-Gris, bordel? Ouais, t'es un peu puissante, mais quand même, quoi. 3 minutes de temps additionnel. Oh, fais chier. Ok, on s'est pas trop fatigué dans cette première période. On aura du jus logiquement pour la seconde. Normalement, si tout va bien. Allez, mon Rafa, on récupère. Ça renvoie. Dembélé. Aïe, aïe, aïe. Fin de cette première période, toujours 0-0, les amis. Pas de but. Ah, c'est serré. Ouais. Disons-le, c'est très, très, très serré. Pas trop d'occasions côté Italie, mine de rien. Mais on n'arrive pas à conclure, nous. Donc, du coup, voilà. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Allez, vas-y dessus. Oui, bien joué. Ouais, bon, interception. Défensif, allez, bien joué. Ce tacle. Oh oui, il est passé, le dribble. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Oh, magnifique. Matuidi. Oh, mais Matuidi, non. Tu m'as gâché mon action. Oh, tu m'as gâché mon action, frérot. Oh, je l'ai goûté. Tu m'as gâché mon coup, là. Oh, les boules. Oh, c'était tellement bien, là. Oh là là, c'était tellement du caviar le truc. Je suis dégoûté. J'ai fait un effort. Pour une fois, j'avais fait un petit passement de jambe. Tu vois. C'est rare que je fasse des gestes techniques dans FIFA 17. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ah, pour une fois que j'en faisais un, s'il te plaît, quoi. Respecte un peu. Je cherche un partenaire. Attention. Ah oui, action. Frappe. Mais non, mais c'est possible. Le match à leur compte. Mais Polo, qu'est-ce que tu fais toi aussi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tout est contre moi. Regardez. Oh là là, mais tout est contre moi, c'est pas possible. Bon, ok, il avait les défenseurs sur lui, mais... Pff, enfin, en face du moins, mais... Oh, mais quelle merde, quoi. Oh là là. De l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si c'est... Aïe, 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 ça passe pas. J'ai voulu courir pour essayer, mais... Ça ne change rien. Pourtant, je tente des choses. Allez, Marquisio. Verratti. Ah là là là, ça va être dur, hein, ce match, moi je le sens. En plus, ouais, non, j'ai l'impression qu'ils sont toujours en défensif. C'est pas les matchs les plus intéressants que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Allez, mon Gris-Gris. Allez, mon Gris-Gris. Gris-Gris, tu fais pas prendre de ballon, Gris-Gris. Bien joué, mon Gris-Gris. Oh oui. Oh oui. Oui, le but. Yes. C'est du lourd. Wouhouhouhouhouhou. Kingsley Coman. Le but de la France. Yeah. Et oui, frérot, l'amour du pays, l'amour du coq sportif, l'amour des Bleus. Ouais. Ah. Pour l'instant, c'est l'équipe qui tente ah ben voilà. Plus, hein, qui est récompensée. Heureusement qu'on est récompensé parce que franchement, on a effectivement tenté énormément de choses. C'est ça qui fait la diff.
Aïe aïe aïe. Eh ben écoute, mon cher Kingsley, tu vas peut-être encore être sur la miniature, hein, tu l'as déjà été une fois, je crois, sur mes vidéos FIFA. D'ailleurs, c'est l'une des vidéos qui a fait le plus de vues ces derniers temps sur ma chaîne, c'était la vidéo première Coupe du Monde. Et avec Kingsley Coman, du coup, il me semble en miniature. Ça avait fait plus de 50 000 vues, 52 ou un truc comme ça. N'Golo Kanté qui rentre. Très bon joueur, N'Golo Kanté. Attention à lui. À son poste, évidemment. Il est très bon. Alors. Oh là. Marquisio. Eh oh, le commentateur, tu me plagies pas là. Hein. Et moi je dis Marquisio, le commentateur dit Marquisio. Énorme. Allez. C'est reparti du coup. C'est reparti pour Insigne. J'adore le prononcer à la française. Ça circule bien. Je suis un enfoiré, putain. Allez, Berardi du coup. Berardi vers Verratti. Verratti. Attention, il a Zaza, la frappe, et c'est complètement au-dessus. Donc là, du coup, on a pris une option sur le match, effectivement, avec ce but. Je suis très content. On a pris une belle option. On a fait de belles choses dans ce match, donc c'est normal qu'on soit récompensé avec un but. Hein, franchement, c'est assez normal. Allez, je le renvoie là-bas. On va essayer de faire des choses cool. J'aimerais bien marquer mon petit but aujourd'hui, ma petite patte. Tu vois, c'est un petit peu le quelque chose d'important. Oh, magnifique. Dommage. La casette qui est chaud. Changement de possession. Allez. Ouais, la frappe. Ouh, c'était cadré. C'était une bonne frappe, mais le gardien Perrin qui a réussi à repousser ce ballon. La frappe était intéressante, ça manquait par contre effectivement de puissance. Ça manquait un petit peu de vitamine tout ça. La casette. Allez, la casette qui n'a pas réussi à orienter sa frappe. On va tenter quelque chose là, tiens. Fais-moi une petite passe. Merci. Je pensais pas que tu ferais ça. La passe. Mais what the fuck. D'accord, c'était sorti avant. Bon, sortie de but. Je suis déception. Attends, je vais foutre la pression sur le joueur. Non. Au final, non. Il ne bouge pas. Allez. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez. 1-0, c'est light. Hein. Faut faire gaffe à 1-0. Oh putain. Ouais, c'est bien taclé. Oh la surprise. Ok. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe. Merde, excuse. De changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de je perds beaucoup le ballon en fait quand je suis en duel. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai réussi à faire un crochet à un mec, j'étais hyper content en fait. Un ballon rendu tu à vois, j'étais hyper heureux. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant cette partie. Oh là là, pas de chance. Oui, donc, oui. Ah putain. A priori. Oh, y'a pas faute là, vas-y. J'ai rien fait moi en tout cas. Je sais que je n'ai rien fait. Mais non, mais la Squadra n'avait pas faute. Non. Je refuse. C'est pas normal. Kingsley Coman. Bien joué. Les bleus qui se font plus allez. Avec bien ballon. Joué, magnifique, la frappe. La oui. C'est impeccable, mon ami. C'est impeccable. Alexandre Lacazette qui marque le but aujourd'hui. Et je crois que c'est son premier but du coup en Coupe d'Europe. Cette fois-ci. Magnifique. Et ben voilà l'ami, ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc qui va être en miniature de cette vidéo? Serait-ce Lacazette? Serait-ce Kingsley Coman? On les voit tous les deux en plus là au sol. Les deux buteurs du jour pour le moment. Et je me demande qui va être du coup sur cette miniature. Ah non, quatrième but. Ah ouais, Lacazette, quatrième but en éliminatoire de Coupe d'Europe. Ah, j'avais dû marquer avec lui alors aussi. Waouh. Ah ouais, autant pour moi. Ah, autant pour moi, je n'ai rien dit. Mon Dieu, pardon Alexandre, je n'ai rien dit. Allez, 86e minute, on approche de la fin du match. J'aimerais bien même mettre un but, mais ça m'a l'air un peu compromis pour aujourd'hui. Mais enfin bon, c'est pas grave. On a réussi à faire beaucoup de passes décisives, c'est important, le jeu d'équipe. Et on a eu 9 sur 10, plus de 9 sur 10 au deux matchs. Ce qui est important, on sera d'accord là-dessus. Allez, bien joué. Belle passe. On s'approche du but. Jolie passe. Allez, le centre, on va revenir au centre, s'il te plaît. Déconne pas Kingsley. Kingsley, ne tente pas le diable. Oh, c'était vers les cages. C'était dangereux. Ok, c'est bientôt la fin du match. Il reste 4 minutes d'arrêt de jeu maintenant, un peu moins du coup. Et donc c'est bientôt la fin, les amis. Tu m'as vu derrière, oui, bien joué. Oh, il y a faute là. Il m'a empêché d'y aller, il y a obstruction. Non, il y avait obstruction, c'est pas grave. Allez, fin du match. 2-0 donc. Un match parfaitement négocié par cette équipe qui s'impose. Et oui, on s'est imposé en ce match et nous n'avons ni vu Kingsley. Ah, Lacazette, salut. La perte d'Alexandre Lacazette. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance.
Et ben voyez-vous là, je suis un peu dégoûté parce qu'on a vu Lacazette un petit peu, mais pas suffisamment pour avoir une bonne miniature. Donc du coup, voilà, je vous parle de la miniature depuis le début du match, mais on s'en fout en fait. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est un peu la galère. Bon, parfait. Suivant, et donc là on a terminé, victoire toujours en éliminatoire de la Coupe d'Europe, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on aura les amis la prochaine fois, très rapidement. Et on est à 86 de général, oui. Galaxou qui a augmenté sa note à 86. Donc regardez, calendrier, qu'est-ce qu'on aura par la suite? On aura de l'Irlande la prochaine fois en phase de poule toujours, et on jouera contre Levante en Liga. Après on aura du Arsenal, Malaga, et après on aura la Coupe d'Espagne. Pour l'instant c'est pas défini, donc on verra bien. Mais en tout cas, beaucoup de bons matchs qui vont arriver. Là, on jouera après contre l'Ajax. Là, on aura Atlético Madrid, la République Tchèque, la Suède, Valence, Arsenal. Que des bons matchs qui vont arriver. Il y aura toujours de bonnes vidéos, du coup, sur FIFA avec des matchs intéressants. Bref, en tout cas, on est en avance hein, sur cette compétition. Ça fait plaisir. Allez, merci à tous encore une fois. Un gros pouce bleu, comme d'hab, ça vous a plu. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde.